Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Dans cette vidéo, je vous ai préparé un petit entraînement, on va rester tout le temps debout. Si vous n'avez pas un périnée qui peut supporter des à-coups, je vous conseille pour la partie cardio qui seront des squats sautés, de simplement faire des squats rapides. C'est parti, on déroule les tapis, on enfile les baskets, go! Mon premier exercice, je vais garder le pied droit bien enfoncé dans le sol, me grandir au maximum et penser au placement de mon bassin. Donc je vais légèrement rétroverser mon bassin, pas trop, sinon après je raccourcis au niveau des abdos, je tasse, ça ne va pas. Je reste bien étiré. Coccyx tirant les fesses. À l'expiration, mon ventre rentre et je monte simplement mon genou. Donc là, je dois vraiment y mettre la gomme. C'est moi qui mets la gomme pour mes abdos. Donc je vais souffler, vider le ventre. Je monte. On va faire 15 répétitions. 3, 4, je souffle quand je monte. 5, mon genou droit reste légèrement fléchi, ce qui va faire plus travailler les muscles, moins être en appui sur l'articulation. 7, 8, 9, 10. Vous voyez que mes épaules restent bien en place. Il faut éviter à tout prix de se pencher. C'est vraiment la jambe qui monte. Ah, vous allez sentir la jambe d'appui qui travaille. Et on essaie de bien servir des abdos pour monter. Ok. 15 répétitions. Pareil de l'autre côté, donc je vais me mettre un peu plus face à vous pour montrer, donc le pied gauche bien dans le sol, je me regrandis au maximum, placement de bassin, expire, monte le genou, 1, 2, ok, si vous faites ça avec un miroir devant vous, vous allez regarder à ce que votre genou, ici du sol, ne bouge pas trop, d'accord, donc on essaie de bien stabiliser le genou, toujours se grandir, comme ça on travaille le dos aussi. On souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on tire le nombril vers l'intérieur. 7. Oui, donc on ne repose pas le pied. Allez, bien droit, bien grand. Le pied qui pousse, la tête qui monte, le ventre qui rentre, les épaules qui restent ouvertes. 11. 12, presque fini. 13. 14. Et 15. Ok, donc il a l'air très facile comme ça. Maintenant, si on est un petit peu moins souple, c'est pas si évident que ça, parce que vous aurez tendance à avoir envie de venir vers le genou ou à pousser le ventre en avant pour monter. Deuxième partie, la phase cardio, le squat sauté. Pour rappel, si votre périnée ou vos genoux ne veulent pas de saut, vous faites simplement des squats dynamiques. On est parti, on va faire 15 aussi. Placement de bassin, autograndissement, fais attention de ne pas pousser le ventre en avant. Pousse bien les fesses en arrière et saute. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Troisième exercice, ce sont des fentes. Je vais faire 15 de chaque côté. Je vais faire un grand pas vers l'avant. Je commence par la jambe droite, grand pas vers l'avant et je vais descendre le genou gauche vers le sol. On est parti, placement de bassin, autograndissement, donc pas pousser le ventre en avant. Hein. Le ventre rentré, c'est parti. 1, 2, 3. D'accord, donc on essaie de bien garder le poids vers l'arrière. Comme ça, je vais bien aller travailler plus au niveau des fessiers. On évite que le genou ne dépasse le pied et on ne se penche pas en avant. Toujours le fil au sommet du crâne qui vous retient. 13, presque fini. 14 et 15. Je repousse sur mon pied. Hop, pour revenir. Pareil de l'autre côté. Grand pas. Placement de bassin. On se grandit, on fait attention au ventre. On est parti. 1. 2. Si jamais vous aviez mal aux genoux, ne descendez pas trop bas. Par contre, si vous voulez un petit peu vous donner un défi, vous essayez de descendre bien bas. Hop, je descends, je souffle aller-retour, j'aspire en haut. 12, 13, 14 et 15. Je repose sur le pied et je reviens. Vous avez commencé à sentir un petit peu les cuisses, en tout cas moi je commence à les sentir. Donc, on repasse dans notre phase cardio, nos squats. 15 fois, placement de bassin, je descends, 1, 2, 3, gardez bien le ventre rentré, 6, bien souffler, rentrez le ventre, 13, 14, 15, ok, on reprend un tout petit peu son souffle, il faut reprendre le souffle parce que pour le dernier, on aura besoin de vraiment souffler longtemps. Donc si on est trop essoufflé, ça risque de ne pas être aussi bon. On est parti, on va faire 15 expirations longues en poussant la tête dans les mains. Je souffle fort, rentre, rentre, rentre. On se grandit au maximum. 1. 2. 3. D'accord, donc chaque fois, j'appuie la tête dans la main. 5. Alors là, vous n'allez peut-être pas respirer en même temps que moi. Je vous avoue que j'accélère un chouïa parce que ça ne va pas être non plus très cool à regarder. Donc ce qui compte, c'est que vous souffliez, que vous tiriez au maximum. Puis à se grandir, vous devez sentir votre gaine se resserre au maximum. Ça fait à peu près 10 répétitions. Ça doit faire encore 5. Pousse bien la tête. Attention, si vous avez des courbatures ici au niveau des trapèzes, c'est que vous poussez trop avec les épaules. C'est une pression de la tête dans les mains. C'est pas vraiment pousser super fort. La force, on la met ici dans les abdos. Ok, avec tout mon blabla, je suis plus très sûre d'avoir fait 15, 16, 14. Mais bon, ça vous ferait 15 répétitions. Voilà, ce petit entraînement est terminé. Vous avez vu qu'on restait tout le temps debout, donc vous pouvez les faire n'importe où, même pas besoin de tapis. Vous avez vu aussi qu'il y avait une phase d'intensité assez importante, donc on essaie de se donner à fond dans ces phases-là. Si vous ne pouvez pas sauter, pas de souci, vous essayez de vous donner à fond aussi, mais sans saut. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est sympa. Vous pouvez aussi partager ma vidéo et vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt, pourquoi pas aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Ciao, ciao, prenez soin de vous.